Là déjà on est tous sous l'eau, tu trouveras pas un conseiller qui dira qu'il est pas débordé entre la paperasse et tout. Alors les cas particuliers, laisse tomber. Bah, l'autre jour j'avais un gars en rendez-vous, aucun diplôme, un français approximatif, là c'est chaud. Franchement, je peux passer 1000 coups de fil, c'est la croix à la bannière pour lui trouver un job. Alors que franchement, tu verras, le gars, il est hyper bien, ça se voit qu'il est super motivé. Je sais pas comment tu fais, moi je suis admiratif, je j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. C'est pas un métier facile. Tu vois, tu l'as toujours dans un coin de ta tête, tu te demandes est-ce que j'ai pas une piste pour elle, est-ce que j'ai pas une solution pour lui, mais franchement, les solutions, on en a pas beaucoup. Bon, j'y vais, à ce soir. Ouais, à ce soir. Je sais pas. Je verrai. À ce soir. Ça marche, ouais, salut. Merci, Tony. Suivez-moi, faut que je vous parle. J'ai déjà perdu trop de temps, faut y aller. Oh, doucement, moi je veux pas aller plus loin. Je vous connais pas, j'ai plein de rendez-vous, je vais être en retard. Ne vous inquiétez pas, Guillaume, c'est réglé. On leur a tous trouvé un job. Allez, venez. Quoi? Mais comment vous connaissez mon prénom, vous? Hé, mon café? Nous avons une mission absolument essentielle à mener. Mais c'est qui, nous? Ça fait longtemps que mon équipe essaie d'entrer en contact avec vous. L'avenir de milliers de personnes est en jeu. Nous devons associer nos pouvoirs, car parfois, c'est la lumière qui nous sert de masque. J'ai rien compris. Hey, mais attendez, là, vous commencez à me faire flipper. C'est quoi l'embrouille? Il n'y a pas d'embrouille, Guillaume. Vous êtes prêts? Non. Bienvenue au GEC. Guillaume, vous avez devant vous une équipe surpuissante. La meilleure. Le NEC plus ultra de recrutement. Oh la vache! Julie, secteur BTP. Monsieur. Nicolas, secteur agricole. Content de vous voir. Marion, secteur industrie. Un honneur, monsieur Guillaume. Franck, secteur propreté. Salut. Anna, secteur transport. À votre service. Et enfin Mathieu, secteur multisectoriel. Multisectoriel, c'est-à-dire? C'est-à-dire multisectoriel, quoi. C'est, Oui, bah oui. Multisectoriel, en fait, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans les dans les autres secteurs. C'est multiple. Voilà. Non mais c'est un truc de ouf. Et comment vous faites? Comment ça marche? Comment? C'est très simple. On déniche des pépites brutes. Des gens sans qualification. Puis, on les entraîne. On les forme pendant 6 à 24 mois. On en fait des professionnels, au taquet. Et à la fin de leur accompagnement, on leur propose un job. Au sein de l'une de nos 596 entreprises. 597. Ok, je pige le truc. Mais c'est énorme, ça solutionne plein de choses. Ah mais attendez, en fait vous voulez garder tout ça secret? C'est pour ça que personne n'est au courant? Alors justement, non, en fait, on voudrait pas spécialement particulièrement garder ça secret. C'est-à-dire qu'on a eu un petit souci avec notre site internet. On fait trois fois rien, mais il faut régler ça. Alors bon, on s'était un peu emballé, on avait tout misé sur des pins parlants. C'est une idée de Michel, on avait 30 000. Regardez, c'est marrant. Jake. C'est marrant. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est super les pins parlants, mais en fait, on va aller plus loin que ça. J'ai plein d'idées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des réunions avec... En plus, ce week-end, il fait super beau. Je crois que je vais reprendre mes volets. Ou je vais aller courir, tiens. Mais attends, il s'est passé quoi pendant la nuit, là? Hier, t'étais en mode à plat, y a pas de solution. Là, t'as une tête de bienheureux. On dirait que t'as gagné au loto. Tu sais, Céline, parfois, c'est le masque qui nous sert de lumière. La lumière. C'est la lumière qui nous sert de masque.